Eh bien, c'est tout le monde, ça que c'est Crossette. Bon, je suis désolé, je vous fais pas comme d'habitude. Je vous fais directement en filmant mon ordi. Donc, les gars, je pense que vous l'avez vu juste en bas de la vidéo, de mon écran. J'ai téléchargé MXGP3. Donc, on va le lancer tout de suite. Je vais vous montrer un peu le jeu. Donc, là, on va faire. La personnalisation de ma moto. Et aussi, excusez-moi, voilà, si vous entendez ce bruit, parce que mon câble de ma mallette déconne un peu. Donc, du coup, si des fois, au lieu de tourner, je vais tout droit, c'est parce que j'ai un problème de mallette. Voilà. Bon, je pense que vous le savez, je vais prendre une petite RMZ. Donc, là, j'ai fait un peu de course pour pouvoir la personnaliser ça, plus la tenue. Et après, on commencera la carrière plus tard. Là, j'ai 21 000, je crois. Donc voilà. Donc, c'est parti. On va y aller. Excusez-moi, la vidéo peut être un peu floue. Parce qu'en fait, j'avais une chance sur deux en fait d'avoir le jeu. Et du coup, bah, j'ai pas trop de connexion quoi. Moto. Ah ouais, mais du coup, on se fait quoi? On se fait une 250 ou une. Ouais, du coup, je sais pas. Et oui, j'avais pas pensé à ça. On se fait une 250 à écouter. Je réfléchis, je réfléchis. Je sais pas là. Bon, on va se faire une 250. Allez hop. Chez Suzuki. Non, Suzuki. C'est parti. Vous l'avez vu, j'ai mon petit numéro 71. Je suis content. Eh, on dirait pas la mienne un peu? Bref, on s'en fout. Donc c'est parti, on va commencer l'apparence. Kit graphique. Ils sont pas beaux. Je préfère celui d'origine. Et puis c'est les mêmes que sur le 2 en fait. Donc on va garder celui d'origine. Après, le petit four. On va mettre en rouge. Les moyeux. En rouge aussi. Non, attendez. On va tester un truc. Attendez. Les mettre en jaune. Repose-pied rouge. Levier. En noir. C'est quoi ça? Capuchon. On va le mettre en rouge. Ça, on va le mettre comme le mien, en mode boysen un peu, dans cette couleur. Les rayons, ça c'est gratuit. Hein, donc, hop, en noir. Les écrous de rayons. Alors, si je les mets en rouge, on va faire ça et puis au pire on changera peut-être plus tard. Ça. On va le mettre en blanc. En blanc. Donc voilà, on a fini apparence. Donc là, on va prendre le guidon un rental. Non, un rental. On va prendre un noir. Comme ça. Les poignées. Les poignées, les poignées. Les poignées, on va prendre. Comment les protecteurs? Ouais, c'est les couleurs. Les rentals, est-ce qu'ils ont mis des nouveaux rentals? Ah, attends, oui. On va voir, il faut. Circuit. Là, je vous l'avoue, je sais pas quoi mettre. Moi, je pense qu'on va partir sur les rentals, les comme ça, hein. Ou les toutes noires.
Allez, on va prendre les toutes noires. La petite mousse de guidon. Et là, du coup, on va rappeler la moto. On va la mettre en jaune. Ah, bon, peut-être. Ouais, non. Protège-main. Non. Non, ils sont les AirTech. Voilà. AirTech. Alors, je pense qu'on va les mettre en jaune. Voilà. J'ai l'impression qu'ils les ont, baissés. Hein. Ouais, comparé au. Attendez, je sais pas. Non, je pense que je vais pas en mettre. Ouais, c'est comme ça. Là, bien sûr, vous me connaissez. Du petit Yosh. Bien sûr. Les pneus. Pirelli aussi. On a une belle moto, hein. Les jantes Excel. On va partir sur du noir. Suspension. Il y a du Showa, du Showa, du Showa. Mais attendez, les Hollins sont peut-être plus. Ouais, voilà, c'est pas les Hollins. On va mettre les Hollins. Les disques. Breaking. Non, breaking. Alors, c'est du quoi? 7, 5, 8, 9, 1. Attendez, je vais juste regarder. Le Yoshimura. Donc 8-6-8-2. Mais je l'ai pas acheté. On veut l'acheter. 8-6-8-2. Attendez. Celui-là il est plus. Oui. Je l'attaque. Je vais mettre celui-là. Est-ce qu'il y en a un qui est mieux? 8-6-8-3. 8-6-8-3. Le Arrow. Non. Oh, je pense que là, ils sont tous égales. J'ai mis le meilleur. Bah voilà. Bon, du coup, le pot. C'est pas le noir, mais c'est pas grave. Les pneus, je pense que. Ça va pas changer. Donc attendez, maintenant on va voir apparence les moyeux si je les mets en rouge. Tac, avec les écrous en jaune. Si je les mets en rouge, les écrous. Ah, ça fait beau comme ça. Alors on va les mettre comme ça. Bon, on a notre belle RMZ, on peut le dire. Un bel RMZ. Donc voilà, c'est parti. Maintenant, on va personnaliser notre pilote. La tenue du pilote. C'est parti, on va commencer comme d'habitude par la combinaison. Alors déjà, il y a une tenue que je kiffe. Franchement, c'est Alpine Star, c'est celle-là. Je vous l'avoue, je la kiffe. Oui, voilà. Derrière, j'ai mis Orca. Parce que j'ai pas d'idée à mettre, parce que je peux pas mettre mon nom de famille, donc du coup c'est pas grave. La NSR. Attendez. Bon voilà, excusez-moi. C'est bon, on repart. Ah, voilà, c'est bon. La NSR, non, les circuits qui moi sont comment? Non. Les Fox. En fait, toutes les tenues, elles ont presque pas changé. Les Kenny non plus, Corax non plus, Pro Grip non, Scott Seven, une marque que j'adore, et malheureusement il n'y en a pas une noire et jaune, ce qui est dommage. Il faut ça être les mêmes. Alors là, je vous l'avoue, je sais pas quoi mettre. Ils ont quoi celle-là, elle est propre à Axe Ruiz. Celle-là aussi,
Celle-là aussi. Ah ouais. Celle-là m'envoie. Alors, soit je mets celle-là, ou soit je mets la Alpinestar, qui a un peu de rouge, donc je pense qu'on va partir. Non, trop de rouge, il y a trop de rouge. Celle-là aussi, elle est propre. Alors, franchement, il y a beaucoup de tenues qui me plaisent. Celle-là aussi, elle est superbe. Il y a trop de choix, il y a trop de choix. Bon, on va partir sur la première qu'on avait vue. Il n'y en a pas d'autres, hein. Je vérifie, mais. Ouais. Donc, on va prendre l'Alpinestar, comme ça. Hop. Le casque maintenant. Alors, ils ont rajouté des nouveaux casques. Service. C'est quoi cette marque? Cette marque, vous voyez, je connais pas. Les Arrow, est-ce qu'ils ont mis des nouveaux Arrow? Puis ça arrive. Pinsu. Hawaii. Belle. Est-ce qu'ils sont beaux? Petit jeu de mots. Je suis super marrant. Alors celui-là, il pourrait bien aller. EVS. EVS, EVS. Il y a des beaux. Il est stylé quand même celui-là. Ah là là, c'est compliqué. Il y a vraiment beaucoup de choix. Celle-là non plus, je connais pas cette marque. Just One. Ils ont pas mis mon casque, je suppose. Non. Scorpion. J'aime pas trop la forme. Alors là, les casques Seven. Non, les Shoei non plus. Shot, ils sont pas beaux. Les Xiaomi non plus. Les Tar, j'aime pas. Et les UFO, c'est les mêmes. Après, service, ils ont quoi déjà? Là, je sais pas quoi mettre. Je sais pas quoi mettre. Sais pas. Je ne sais vraiment pas là par contre. Hein. Parce que sinon, on peut partir sur le. Là, mais bon, je sais pas, sinon, après, on peut mettre ça moi avec un masque jaune. Je pense que ça pourrait être fait. Ouais. Après, le premier aussi peut passer de cette marque. Et je n'aime pas trop aussi la forme. Bon bah, je pense on va partir sur le UFO. Le noir, donc voilà. Pas passer trop de temps non plus. Lunettes. Donc les masques. Oh, il y a deux clés, il y a deux clés. Attendez. Les hauts clés. Oh là là. Cette marque, elle est tellement stylée. Ah ouais, celui-là, je vais voir juste sur 100% s'ils en ont ajouté. Celui-là, il est propre. Putain. Ah, ils ont bossé quand même sur les masques, hein, j'ai l'impression. C'est les mêmes, hein, mais ils ont bossé par rapport aux textures. Alors, les gars, soit. Je pars pour un 100% en jaune ou soit pour un haut clé. Attends, ils sont comment ça? Non, ils sont pas. Ou soit pour un haut clé, haut clé, haut clé, 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 clé. Le haut clé, ce sera celui-là. Ah, celui-là, attendez. Un peu de jaune, un peu de rouge. Alors, soit celui-là ou soit
le dernier qui est là. Je pense que... On va se prendre ce petit Oakley. C'est parti, on achète. Attendez, je vais juste regarder, on a combien de minutes de vidéo. Ah oui, on est quand même déjà à 15 minutes. Bon, je vais essayer de me dépêcher. Bot, alors. Ah, attendez, Alpinstar. Ils ont peut-être mis les Tech 10. Non, Tech 8. Ah, les Tech 10, mais il n'y a pas les jaunes. Alors, moi je vous dis, soit Gaïam, soit TCX, parce que j'ai vu qu'ils ont mis les dernières. TCX. Et voilà, il y a mes bots. On va partir sur les Gaërnes. Voilà. Protège coup là, il y a beaucoup de marques là. Est-ce qu'il y en a un jaune sympa? Ouais, le Scott, on le connaît. Blitz, ils en ont rajouté, mais il n'y a pas de jaune. FM, oula, c'est quoi cette marque? Je les trouve juste moche. Alpinstar, c'est normal. On va prendre un petit Scott. Hop. Voilà. On a plutôt le style. On va voir là, les gars. C'est bon. On a fini. Enfin, notre première personnalisation sur MX GP3. Je vous ferai une ouverture, bien sûr, de la carrière ensemble. Donc voilà, les gars. Bon. J'espère que cette première vidéo sur MX GP3. T'as kiffé, voilà, on peut dire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu. Mets un petit commentaire dans la description pour savoir ce que t'en penses de ma tenue et de ma moto. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner. Donc voilà, les gars. Bon, bah, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.